S'ils veulent jouer avec nous. Ouais, très bonne idée. Excusez-moi. Excusez-moi. Youhou, vous voulez jouer avec nous? Je crois qu'ils sont occupés. Ah, c'est parti. Place au roi de la savane. Et à la reine. Chaud devant. Les lions arrivent. Petit mais féroce. Aïe. Pardon. Allons jouer avec les deux vieux. Ils nous adorent. Oh oui, ils nous adorent. Oh non. On n'a jamais été comme ça. Petit, si, sûrement. Non mais insupportable. Oh non, non, je crois pas. Bon, prends un air féroce. Quoi? Allez. J'étais bien. Oh, terrifiant, une vraie bête fauve. Merci, je me suis concentré. Hein. Allez, attention, petit, tes griffes. Tes griffes, merci. Allez donc jouer avec les crocodiles. Ils adorent ça. On a horreur de ça. Vous adorez ça. On a horreur de ça. Oh là là, que tu pues du bec. Je deviendrai jamais vieux. On est rabat-joie et on a une haleine de tueur. On fait la course jusqu'en haut. Allez, Linus. Tu es d'une lenteur. Je glisse, je glisse, je glisse. Allez, viens, Linus. Surtout, pas de panique. Oh, ça y est, je panique, je panique. Oh, la prochaine fois, dis non. Tu n'as qu'à faire semblant que t'as mal à la patte. J'y suis. Et mon petit frère, où est-il? Qu'est-ce que tu fabriques, Linus? Je profite de cette belle vue. Tu es coincé. Mais non, pas du tout. Alors grimpe, le paysage est encore plus beau vu d'ici. Oh, pardon. Je mériterais que je monte te coller une bonne barre. Allez. Ah, eh ben c'est pas trop tôt, hein. C'est magnifique. Waouh, c'est fabuleux. Mais il va quand même falloir qu'on descende de là. Regarde, t'as vu le fleuve? Je me demande ce qu'il y a sur l'autre rive. Des vagabonds, des lions qui n'hésiteraient pas à nous tuer. Maman dit que le fleuve est si dangereux qu'ils peuvent pas le traverser. Bah alors c'est qui ces deux-là? Ce ne sont pas James et Eddie. J'en sais rien. On devrait le dire à maman. Ah, vous voilà. Tu veux dire quoi, Suki? On a vu deux lions, maman. Je ne comprends rien, chérie. Y a pas plus pratique comme mode de déplacement? On a repéré deux lions qu'on n'avait encore jamais vus. Ne dis pas de bêtises, Linus. Si, c'est vrai. Ils étaient près du fleuve. Il n'y a pas d'autres lions que nous dans les parages, Suki. Tu ne me crois jamais, maman. Pourquoi tu ne me crois jamais? Vous avez vu deux lions. D'accord, admettons. Oh, ah, je glisse. Linus, regarde-moi dans quel état tu t'es mis. Allez, je vais te nettoyer, viens. Bah, arrête, maman, tu me baves dessus. Maman, pourquoi Suki est moche comme un pou? Maman, pourquoi Linus ressemble à un babouin? À un babouin vu de dos? Entre nous, les enfants, vous commencez vraiment à me fatiguer. Oh, tout le monde ronfle. C'est saoulant. On appelle ça faire la sieste. On a de la chance. On peut se détendre parce qu'on vit en clan. La plupart des animaux ignorent ce que c'est que de vivre comme ça. Ils n'ont qu'à vivre avec nous. Non, ça ne marcherait pas. Pourquoi? On les mangerait. Oh.
dit qu'on les avait vus. Silence. Cachez-vous. Eve, regarde ça. Des vagabonds. Où ça? Viens, on va leur faire le coup des duétistes. Le coup des quoi? Ah, des duétistes, oui, bien sûr. Voilà, voilà, j'arrive, j'arrive. J'arrive. Oh là 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 là. Ça sent la peur par ici. Ouais, ou ça vient pas de chez nous? Sûrement pas, non. Nous vous laissons deux choix. Fuir ou vous battre. On pourrait fuir. Nous prenons votre territoire. Désolé, mais on se trouve très bien là où on est. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Il ne vous reste que 5 secondes pour déguerpir. Vas-y, Harry, compte. 1, 2... Oh, la vie est trop courte. Mais personne n'a dit partez. Vous aviez dit 5 secondes. Vous êtes mauvais joueur. Hors de ma vue. Tu vas voir, je t'en rêve. T'es pas prêt. Attends. Papy, Eddie, mords-le. Alors, papy, tu peux pas faire mieux que ça. Ne me touche pas. Tu peux y arriver, tu vas gagner. T'es en train de perdre. Laisse-moi le temps de me relever, tu vas comprendre ta douleur. Ils font pas le poids. Il leur faut de l'aide. Eve, Megan, chargez-vous du clair, on se charge du foncé. Fais attention, maman. Restez là. Allez-vous-en. C'est notre territoire. Où sont vos mâles? Partez, vous n'êtes que deux grosses brutes. Retournez là d'où vous venez. Arrache-lui l'oreille, maman. Vas-y, maman, fais-lui une raclée. Partez d'ici. Viens, Harry. On se bat pas contre les femmes. Laissez-nous en paix. Vous voyez qu'on sait se défendre. Appelez des filles à la rescousse. Je serai mort de honte. Tu as commis une énorme erreur. Je reviendrai. Comment ont-ils traversé le fleuve? Il est infesté de crocodiles. J'ai peur. Pourquoi ils nous ont attaqués, maman? Ils veulent notre territoire. Est-ce qu'ils t'ont fait mal? Les morsures ne font pas mal. Pas vrai, les filles? Alors, ça va, Eddie? Oui, on fait aller. J'ai l'impression qu'ils ont dérouillé, ouais, hein. On les a massacrés. J'ai comme l'impression qu'ils vont revenir, pas toi? Ouais, on dirait qu'ils en veulent à notre territoire. Mmh. Et ce que les vagabonds veulent, en général, ils l'obtiennent. Oui. Entre nous, je crois que je vais me jeter du haut de la falaise, histoire d'en finir. Oh, puis non, j'ai le vertige. Ce serait pas un morceau de ton oreille, là-bas? Pardon? Ah oui, je crois bien que oui. Bon, aucune importance. Tu fais toujours la sourde oreille, alors? Tout le monde est là? Vous n'avez rien? Où est Eve? L'une de vous a vu Eve? Mashiba, qu'est-ce qu'ils ont fait à maman? Lève-toi, maman. Je t'en prie, lève-toi. Je suis vraiment désolée, Fleck. Ils l'ont tué. C'est à nous de veiller sur toi. On ne te laissera pas seul. Comme un frère pour Linus et Suki.
Est-ce qu'ils vont revenir? Oh, je n'en sais rien. Mais ne t'en fais pas pour ça, Linus. Nous savons nous défendre. Tu avais dit qu'on ne risquait rien ici. Allons, les enfants. Regardez autour de vous. Nous sommes un clan. Nous sommes comme... Je ne sais pas, comme... Nous sommes comme les étoiles. Ah bon? On ne sort qu'à la nuit tombée? Non. Alors on est jolis, mais on ne sert pas à grand-chose. Non. Non, mais vous êtes bêtes ou quoi? C'est que tout le monde nous montre du doigt. Non, Fleck. Isolés, chacun de nous brille, mais tous ensemble, nous étincelons. Nous sommes une constellation parfaite. C'est notre union qui fait notre force. Imaginez que vous soyez des léopards ou alors des singes qui vivent cachés. Que vous ne partagiez rien avec personne. C'est pour ça que... Les enfants... Suivez-moi, en silence. Nous devons être forts pour pouvoir nous défendre. Et pour être forts, nous devons manger. Bien. Leçon de chasse. Ne vous attaquez jamais à un buffle, sauf si vous êtes à plusieurs. Ils sont dangereux. Ils peuvent vous blesser. Les zèbres, en revanche... Suki, qu'est-ce que tu fais sur ce tronc? Je n'y voyais rien du tout. Oups! J'aimerais bien qu'on ait des rayures. Mais Junie, c'est nul. Reste caché jusqu'à ce que je te prévienne. Ils nous ont vus. Ils avaient l'air gentils. J'avais envie de jouer avec eux. On doit trouver la nourriture. Pas nous amuser avec elle. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand on chasse? Que nous sommes tous de petites étoiles brillantes. Isolés, nous scintillons, mais en groupe. Oh! Oubliez les étoiles! C'était quoi la question déjà? Quand vous chassez, servez-vous de tout pour vous camoufler. Votre proie ne doit absolument pas vous voir. Il faut la prendre par surprise. Suki, regarde-moi. Nous ne sommes pas les animaux les plus rapides de la savane, mais nous sommes forts et rusés. Enfin, certains d'entre nous. Là. Devant nous. Ne les alertez pas. Ça veut dire quoi, alerter? Ch'ti! Arrête, Suki! Non! Vous allez arrêter de faire les idiots! Suki, tu vas arrêter de faire l'idiote? Aujourd'hui, observez. Vous aurez à le faire un de ces jours. Les leçons de chat, c'est stupide. Nous, on veut jouer. Oui, on veut jouer. Je vais attirer leur attention. Ces buffles vont vous tuer. Ne bougez pas avant que je revienne. Allez, viens là, gros balou! Viens là! Suis-moi, je te dis! Elle est très douée pour ce genre de choses. Hé, hey, oh, par ici! Oh, super, ils sont partis! Hey. Oh, non.
Vous n'avez rien? J'ai cru vous avoir perdu. Vous n'êtes pas blessé. C'était super marrant. On pourra retourner jouer avec eux? J'espère que tu plaisantes. James, non, non! Pas ici! Oh, ça fait du bien. Merci beaucoup. On jouait là, nous, hein? Oh! Oh, il fait beau aujourd'hui. Ouais. T'as déjà mangé du poisson? Non. Et toi? Non. Un jour, j'ai mangé une chauve-souris. Ah, une chauve-souris, cette espèce de rongeur avec des ailes. Je te le déconseille. Il y a toujours un petit os qui se coince dans l'écrou. Salut, Fleck. Ça va, Linus? Maman dit qu'on doit être copains. Là, au fait, je t'ai déjà dit que j'étais orphelin. Ah bon? Comme le petit, flic, flop, flap. Fleck. Ah, Fleck, oui, c'est ça. Bon, allez, va jouer. Ouais, mais oh, je suis très équilibré. Je trouve aussi. Je mangerais bien une antilope, pas toi? Bien, bon. Jamais avec les lions. Oui, c'est curieux. Ouais, je trouve aussi. Nous, on jouera toujours ensemble. Ouais, quoi qu'il arrive. Ouais. Espèce de Nico. Mais oui, je le savais. Je voudrais savoir ce qu'il y a sur l'autre rive. Maman a dit que c'était très dangereux. Pour elle, tout ce qui nous entoure est dangereux. C'est pointu, c'est empoisonné, ça peut te crever un œil. Moi, j'ai déjà traversé. Non, même pas vrai. Ah, si, c'est vrai. Et 8 fois. Espèce de menteur. C'est même là-bas que vivent les vagabonds. Ça, on savait. Ce qu'on sait pas, c'est comment faire pour traverser. Le fleuve est tellement profond et il est mal fréquenté. Les vagabonds s'en contrefichent. Ils sont sauvages et fous. Ils dévorent leurs lionceaux et ils grimpent sur le dos des éléphants. Où étiez-vous passé? On était à bord du... On est allé à cet endroit sympa qui n'est pas près du fleuve. Ah, on s'est pas approché du fleuve. Je vous ai interdit de vous en approcher. Je veux que vous me promettiez solennellement de ne plus jamais retourner jouer les explorateurs au bord du fleuve. D'accord? Ce qu'il voulait dire, c'était n'allez pas jouer les explorateurs, sauf si vous voulez découvrir comment les vagabonds traversent le fleuve. Ah bon, tu crois? Si on découvre le passage, on sera des héros. Est-ce que tu te rends compte? Là où nous irons, les gens diront « Regardez, voilà les deux lions sont téméraires !» Entre nous soit dit, je ne sais pas si je suis téméraire, mais j'ai le sens de l'orientation. Alors, on est où? J'en ai aucune idée. Il faut qu'on trouve le fleuve. Par où il faut aller? C'est par là. Ou par ici. D'ailleurs, on peut aussi passer par là. Tu as entendu ça? Quoi ça? Ce bruit. Le tonnerre? Chut. Oh. Ouf. Ça se met. On ne va quand même pas traverser. On est en train de vivre une aventure. C'est excitant, non? Pourquoi je t'ai écouté? Allez, suis-moi, Linus. Non, je peux pas. Je viens de me souvenir d'un petit détail. Ah oui? Lequel? Je suis pas vraiment un héros. Mais... Je tombe. Accroche-toi, tu t'en sors bien. Pas du tout. Allez, Linus, fais vite. T'as réussi.
Linus! Tu es sûr que tu ne sais pas où ils sont allés? Réfléchis, Fleck. Oh, je suis certain qu'ils n'ont rien fait de dangereux. Ne t'inquiète pas. Maman. Suki! Linus! Suki! Linus! Où est-ce qu'on est, là? J'en sais rien. On se croirait dans un cimetière. Je me demande qui les a tous tués. Question passionnante. Bon, on peut y aller maintenant. Suki? C'est un vagabond. Merci, j'ai des yeux. Oh, des visiteurs de marque, voilà qui nous change. Ça fait un moment que le voisinage se dégrade lentement. Suki! C'est ça, baissez les yeux devant moi. Pour être venu ici, vous devez être soit très brave, soit vraiment stupide. Alors vous êtes? Brave! Stupide! D'abord, ils ont envoyé les filles se battre à leur place, et maintenant, voilà qu'ils envoient les lionceaux. Pourquoi tu ne te bats pas avec quelqu'un qui a ta taille? Je fais ça toute la journée, ça me fera des vacances. Hé! Hey, touche pas à mon frère, ou sinon je t'aurai bien bouilli. Eh bien, voilà qui me change des implorations et des pleurnicheries habituelles. Je vais vous laisser la vie, pour cette fois. Rentrons chez nous. Je suis sûr et certain que le fleuve est de ce côté. On ferait mieux d'aller dans l'autre sens, alors. Faut pas leur montrer qu'on a peur. Si on reste droit et qu'on leur fait face, on va peut-être s'en sortir. Linus, qu'est-ce que tu fabriques? Je me cache. Quoi? Je me cache. Linus, j'ai besoin de toi. Je suis coincée. Tu veux bien me cacher les fesses avec des feuilles? Allez-vous-en. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Raison de rire. Restez chez vous. Jusqu'à ce que vous soyez de taille à vous défendre tout seul. Oh, merci beaucoup. Waouh, il est trop beau. Ça y est, je peux sortir? J'ai rien raté, au moins. Écoute, Suki, je voulais pas t'abandonner. Mais pourtant, c'est... Bon, rentrons chez nous maintenant. Traverser à la nage, on n'a pas le choix. T'en es sûr? Pourquoi? Tu vois un autre moyen, gros malin? Non, pas vraiment. Suis-moi. Bon, t'es prêt? J'y vais la première. Voilà! Vas-y! Vas-y, Linus! Plonge! Regarde la bouche fermée! Pourquoi maman ne nous a pas appris à nager? Oh, j'ai de l'eau pleine, mon retard!
Un crocodile! Vite, plus vite, plus vite, plus vite, Linus, plus vite! Ah! On a réussi! Bon, voilà pourquoi les vagabonds ne traversent pas à la nage. Ah, ça nous a rafraîchi, hein? On fait la course? Je suis assez fatiguée, à vrai dire, c'est bon. Bon alors, c'est par où? On était parti en mission. Vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude? Vous auriez pu être écrasée par les éléphants, attaquée par les hyènes ou dévorée par les crocodiles. Qu'est-ce qui t'a parlé des crocodiles? Et tu sais quoi, maman? On a découvert comment les vagabonds traversent le fleuve. Est-ce que ça fait pas de nous des héros? Je suis votre mère, voyons. Vous n'avez strictement rien à faire pour être mes héros. Et maintenant que le pont est cassé, les vagabonds ne pourront plus revenir, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Quelle journée fantastique! C'était génial. Vous grandissez tellement vite. À ton avis, il fait quoi, mon vagabond, en ce moment? Tu te souviens comme il était génial, hein, Linus? Une hyène sur la gauche et notre gros lion l'a mordi. Une hyène sur la droite et il l'a projeté. Cette histoire m'a plu les 350 premières fois où tu me l'as raconté, Suki. Je croyais que tu avais horreur de la violence. La violence est acceptable quand tu sauves la vie de quelqu'un que tu aimes. Mais il ne t'aime pas, espèce d'idiote. Ce qu'il aime, c'est tuer les autres. Il t'aurait tué si je n'avais pas été là. Non, c'est pas vrai. Et on a le droit de tuer les hyènes parce qu'elles sont affreuses. Il est trop beau. Je me demande comment il s'appelle. Grosse nouille. Gros plouc. Oh, tais-toi. Il est formidable. Et il est très fort. Les vagabonds sont vraiment intrépides. Ils vont où bon leur semble. Ils font ce qui leur chante. Ce ne sont que de gros nuls. Ils ne font qu'empoisonner la vie des lions. Et toi non, peut-être. Pardon. Non, mais c'est une manie de me faire tomber des pierres dessus. Regarde par qui on est entouré. Admire la puissance avec laquelle Eddie se roule dans la poussière. Extasie-toi quand James grogne en disant que les phacochères ne sont plus aussi savoureux qu'avant. Babouin droit devant. Ah, tous les garçons sont pareils. D'accord, je vais venir te chercher. Pourquoi est-ce qu'ils ont derrière tout rouge? Oh, je veux surtout pas le savoir. Non, merci. Sans vouloir te vexer, marche devant. Je ne crois pas que ça aura du succès comme parfum. Bon, écoute, le point le plus facile à atteindre est la gorge. Mais il faut tout faire pour éviter les coups de corne. Ne me regarde pas comme ça. Maman, ça ne m'intéresse pas d'apprendre à chasser. C'est particulièrement ennuyeux et méchant. Suki, chasser n'est pas une activité facultative comme imiter les hyènes ou se gratter le dos en se roulant par terre. C'est une question de vie ou de mort. On ne pourrait pas manger de l'herbe comme les autres animaux? Je sais que ça fait peur la première fois. Je n'ai pas peur? Bien sûr que si, si tu as une once d'intelligence. Observe et apprends. Oh non, maman. Les parents s'arrangent toujours pour nous mettre la honte. Cette machine. Essaie d'épargner les rognons. Elle épargne les vieux lions. Non, les rognons. Ah oui, les rognons, oui, c'est un vrai délice. Et maintenant, ça ne te gêne plus de le manger? Ben, vu qu'il est mort, ce serait dommage de gâcher. Tu les vois? Hein?
Les crocs? Oui. Pourquoi tu crois qu'ils sont aussi gros? Pour pas qu'on les perde. À ton avis, ils sont étudiés pour manger de la pastèque. Je sais que tu trouves ça cruel, mais les lions se nourrissent comme ça. Là, tu peux manger les proies mortes. Mais le moment viendra où tu devras les attraper vivantes. Pourquoi? Et eux, alors? Qui ça? James et Eddie, ils ne chassent pas. On oublie les bonnes manières, mesdames. Merci beaucoup. Vous me faites une petite place? Excusez-moi. Je me taille la part du lion. Comment on peut accepter que les lions flémardent toute la journée à attendre qu'on chasse et qu'on leur apporte à manger simplement parce que ce sont des mâles? Ou parce que... Franchement, s'il y en a qui sont herbivores, bah, disons. Entre nous, tu as raison, c'est tout bonnement scandaleux. Bien joué, les filles. Je dirais saignant et un point. Ça me régale. C'est parfait. Premier choix. Dites, on pourrait y goûter maintenant? Du balai. Je te le dirai pas deux fois. Allez, s'il vous plaît, on a faim. Mais pour qui il se prend? Du vent! Du vent! Allez, dégage, petit, attends ton tour. Ah, mais quel raseur! Oh, c'est toujours la même chose. Et c'est qui? Un petit prétentieux. Sa mère, c'est la maigrichonne là-bas, celle qui a des belles jambes, tu la vois? Ah oui, elle est gracieuse. Qui est le père? Oh, bah, aucune idée. Non mais qu'est-ce que je raconte? C'est moi le père! Ah bon? Compliment! Merci. Ça roule, Sushi? Suki, flèche. Bah moi l'autre jour j'en ai tué un qui faisait bien 5 fois le poids de celui-là. Oh, lâche-moi. Tu sais quel est le problème avec toi, Linus? C'est que tu laisses trop ta sœur faire la maline. Ouais, oui, bla, bla. Alors que toi, tu saurais lui montrer qui est le patron. Exceptionnel. Les filles. Ah ouais, elles sont... ben, comme nous. Mais non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pour elles, la vie, c'est de la rigolade. Elles passent leur temps à chasser et à faire des bébés. Alors que nous, les mâles, on passe notre temps à se battre pour la suprématie jusqu'à la mort. Hein? Ah oui? Ça pourrait bien être nous, un de ces jours, en train de nous battre à mort. Bon, bien sûr, je serai le plus agressif des deux parce que je suis un orphelin. Un orphelin, oui, je sais. Je meurs de faim. Ils n'ont pas encore fini de manger. Tu commences pas à avoir l'estomac un peu lourd, toi? Même que je ballonne. Oh. Un vrai régal. Salut, Suki. Fleck, je peux savoir pourquoi tu me pistes? Moi, je te piste? Oh non, 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 tu peux me croire. Si je te pistais, tu serais déjà au courant. Ce qui remet en cause tes qualités de pisteur. Hein? C'est quoi qui dépasse de ta bouche? Rien du tout. On dirait de l'herbe. Je pense sérieusement à devenir végétarienne. Ah, et c'est bon? Délicieux. Hein? Et qu'est-ce que tu regardes, juste? Rien, hein, rien du tout. Enfin, toi. Eh bien, va regarder ailleurs. Oh, ça va, quoi. Flag, dégage. Mais tu passes une tonne. Retire tes grosses pattes velues. Tous les lions à dos sont débiles ou quoi? Je vais chatouiller, c'est tout. Oh. Linus, qu'est-ce qui rend les lions de chez nous si nuls? De l'autre côté, les vagabonds sont forts et courageux et ils diraient: dis-moi quel est ton problème, petite Suki, et moi je le réglerai comme un vrai lion. Ce serait plutôt: je suis un débile profond, mais je fais passer ça pour de la bravoure, ça plaît aux filles. Des facochères. Leçon de chasse. Oh maman, on est obligé. Oh non, ça recommence. Linus, Suki. Tiens, Suki. Ah,
Salut. Ça va? Je t'ai rapporté des devoirs. Quoi? Maman? Non. Salut. Oh, regarde, il est trop mignon. Oh, mais c'est pas croyable, ça. Ça va? Tu calmes. Je vais pas te faire de mal. Suki, je te signale qu'on ne joue pas avec la nourriture. Laisse-moi le tuer, maman. Je pourrais le tuer, hein, s'il te plaît. Laisse petit, profite qu'elle est retournée. Sauve-toi. Non, ne le laisse pas s'enfuir, Suki. Suki. Tiens, profite de la vie. Ne nage pas dans le fleuve, il y a des crocodiles. Oh, maman, cette saleté de porc m'a échappé. Très bien, tu refuses de chasser. Tu ne veux te nourrir que des animaux que les autres lions ont tués. Eh bien, vas-y, serre-toi. Où est-ce que tu vas? Me coucher. Je te laisse, Suki. Voyons combien de temps tu tiendras. D'accord. Salut. Oh. Je le mangerai quand il fera moins chaud. Je vais aller m'étendre un peu à l'ombre. Oh non. Qu'est-ce que vous regardez? Allez-vous-en, du balai. Barrez-vous, allez manger ailleurs. C'est pas une cantine. N'approchez pas. Oh, misère, ils reviennent à la charge. Merci, Linus, j'avais vu. Allez vous chercher à dîner ailleurs. Contrôleur de quelle boîte il chauffe? N'approchez pas. Lamentable. Ne m'aidez pas, surtout. Oh, je t'aiderais volontiers. Mais j'adore trop te regarder te battre. Ah! Allez vous faire farcir, bande de dindes. De toute façon, je n'aime pas le gnou. Ça ne me convient pas. Vas-y, Linus. Montre-leur que tu vaux mieux que Suki. Tu es un animal. Tu ne peux pas rentrer sans un animal mort entre les dents. De préférence, un truc énorme, avec un air féroce. Ah, toi, tu feras l'affaire. Oula, des buffles. Aïe. Et c'est reparti. Je suis champion pour grimper aux arbres. Oui, je sais, mais vous n'avez pas l'air très malin, vous non plus. Arrête! Arrête, je te dis! Circulez, il n'y a rien à voir. Circulez! Les parages, un coup de main serait le bienvenu. Au secours. Où étais-tu passé, Linus? J'étais perché sur un arbre. J'ai été attaqué par un buffle. Ne le répondez pas à Fleck. Fleck? Suki! Oh, Fredro, tu me fais trop rire. Rira bien qui rira le dernier. Pourquoi tu dis ça? Tu verras. Un de ces jours, tu verras. Je verrai quoi? Ils ont encore tant de choses à apprendre. Hein? C'était quoi ça? Ça y est, ils sont de retour. Les vagabonds. Ils ont l'air très en colère. C'est fantastique. Dans le mauvais sens du terme. Ils sont agités. La pluie n'est toujours pas là. Ils doivent rester près du fleuve. Alors, tu crois qu'ils vont pouvoir traverser le fleuve comme autrefois? J'en ai bien peur, oui. T'as entendu? Ouais.
Toi, t'en pousser un grognement de bête féroce pour leur répondre. Bah, c'est la moindre des politesses, oui. Oh, j'ai un doute, là. C'est assez discutable, tactiquement parlant. Fichez le camp, avant que je fasse un malheur. C'est lui. Ah, t'en veux encore? Dégage. Et emmène ton gros lard de copain avec toi. Il est toujours aussi brave. Salut. On s'est déjà vu? C'est à moi que tu as sauvé la vie il y a quelques années. J'étais toute petite. Ah oui, je me rappelle. Tu as beaucoup changé. Oui, et d'ailleurs, en fait, je n'ai pas arrêté de penser à ça depuis ce jour-là. Enfin, tu dois certainement faire ça tous les jours. Alors... Tu parles toute seule? Va-t'en, Fleck. Mais pourquoi? Je parle avec un vrai lion. Il est parti. J'ai bafouillé. Tu ne m'aimes pas parce que je suis un orphelin, hein? C'est ça, pas vrai? Mais je me fiche que tu sois orphelin. On peut même dire que je m'en moque éperdument. Quelquefois, j'ai envie de me retrouver un peu seule. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Ce qui me vient naturellement. Eh bien, moi, ça ne me vient pas naturellement, pas avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Linus, il a voulu... Laisse tomber. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ça ne te regarde pas, Linus. C'est ma sœur, alors ça me regarde. On veille toujours l'un sur l'autre. Ah oui? Alors amène-toi. On va se battre. Quand tu veux, où tu veux. Laisse tomber, Linus, il n'en vaut pas la peine. T'as pas la moindre chance contre lui. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. Alors, lesquelles sont à toi? Elles se ressemblent toutes. Oh, celle-là, je la reconnais. Oh, bah bravo, c'est un mâle. Ah oui. Ces deux-là, là, elles sont à moi. Bah, c'est la mère et la fille, non? Oui, ça te pose un problème? Oh, mais pas du tout, non, pas du tout. À cet âge-là, elles sont toutes à croquer. Oh, finement observé. J'ai trouvé que Fleck avait vraiment fière allure aujourd'hui. Fleck. Hein? Il n'y en a que pour lui. Vous feriez un très beau couple, lui et toi, je trouve. Tu as perdu la tête? Sois un peu gentil avec lui. On ne peut pas lui faire confiance. C'est un hypocrite. Il va sûrement te faire la cour. Non, pas question. J'ai beaucoup de peine qu'il ait perdu sa maman, mais c'est le lion le plus insupportable que j'ai jamais vu. Peut-être que si tu passais plus de temps en sa compagnie... J'en ai marre de tout ça. J'ai rien à faire avec eux. Ce n'est pas le seul lion au monde. Il y a les vagabonds. Les vagabonds? Oui. Ils ont tué la mère de Fleck. Ce sont des maraudeurs et des assassins. Ils veulent nous prendre notre territoire. Ne t'approche pas d'eux. Oh, vous n'en avez pas assez de vous disputer à longueur de journée. Tu vas voir, maman. Parfait. Surtout ne pas l'alerter. En douceur. Salut, toi. Ça va? Je ne veux pas te faire de mal. Je vais te nettoyer bien gentiment. Oh, bouge pas. Bouge. Où est-ce que tu vas? Reste là. Je vais être ta nouvelle maman. Non, voilà. Je suis une gentille lionne très sympathique. J'ai une surprise. Oh non. Quelle sorte de surprise? Tu vas voir. Suis-moi. Tu viens, Linus? J'arrive. T'as intérêt à ce que ça vaille le déplacement.
Oh, bien joué, Suki. Pas mal, hein? Qui est-ce qui va la tuer? Je suis volontaire. Laissez-moi juste une minute pour me mettre dans l'ambiance. Quoi? Non, c'est une antilope de compagnie. C'est une quoi? Oui, je l'ai adoptée. Et d'ailleurs, je l'ai appelée Martine. Mais t'es complètement folle. Pas du tout. Nous mangeons les antilopes. Vous ne mangerez pas celle-ci? Oh, que si. Oh, que non. Tu es une lionne, je te signale. Et les lionnes chassent. Rien ne fonctionne si nous n'apportons pas notre contribution. Et toi, tu ne contribues à rien. J'ai fait de mon mieux avec toi, Suki. Mais j'en ai assez d'attendre que tu grandisses un peu. Vu que je ne peux pas choisir mon fiancé, je pourrais au moins avoir un animal de compagnie. Un fiancé? Mais quel fiancé? C'est un vagabond. C'est un vagabond? Oui. Petite fille égoïste et capricieuse. Il y a des règles dans un clan. Chacun a une façon de saluer, un foyer et un rôle. Mais il faut toujours que tu dépasses les limites. Je te préviens. Oublie tout de suite ces bêtises, sinon... Oh, arrête de grogner. Reviens ici! Je sais où on voudra de moi. Adieu, maman. Adieu, Linus. Bonjour. Je m'appelle Suki. Et toi, comment tu t'appelles? Dark. C'est très original. Ça te va très bien, je trouve. Oui, je trouve aussi. Pourquoi as-tu quitté ta famille? Les miens ne me comprenaient pas. Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Oh, tout. Le fait que je voulais vivre avec toi. Moi, je te comprends, Suki. Oui, j'en ai l'impression. Tu vas me présenter à tes parents? Non, je les ai mangés. Hein? Je plaisante. Ah bon? Très amusant. Alors, c'est ça la tanière du lion. Elles n'ont pas l'air très accueillantes. Tu ne peux pas leur demander d'arrêter de rugir et de me regarder. Laisse-les faire. Je suis fier de toi. Dites bonjour à Suki. Bonjour Suki, comment vas-tu? On est ravis de faire ta connaissance. Ouais, je crois qu'il m'aime bien. Tu te souviens de mon copain Harry? J'ai bien peur que oui. C'est toi qui as tué la mère de Fleck. Elle est plutôt jolie, même si elle parle un peu trop. Ne t'en fais pas. Il va se calmer.
Dis-tu comptes vraiment la garder avec nous? Shuki. Elle a un nom. Ça reste une bouche de plus à nourrir. Viens là d'ici. Non! Où est Shuki? Tu penses qu'elle est allée le rejoindre? Son vagabond? Non. Je l'ai rejeté. Comment ai-je pu faire ça? Arrête, maman. Ce n'est pas ta faute. Une catastrophe a pu se produire, surtout si elle a traversé le fleuve. Elle reviendra dès qu'elle aura faim. S'il lui arrivait malheur, je ne me le pardonnerai jamais. Allez, debout, Dark, chatouille-moi. Non. Allez, je sais que tu en as envie. Non, quelqu'un pourrait nous entendre. Allez, chatouille-moi. Allez, quoi, chatouille-moi, s'il te plaît. Non, on ne se chatouille pas. D'accord, alors lèche-moi les oreilles, j'adore ça. Alors lèche-moi les miennes en premier. Oh non, pas question. Alors laisse tomber. T'es pas gentil. Bah, tu t'y feras à la longue. Tu as entendu ça? J'aurais dû le prévenir que je m'en allais. Là-bas. C'est qui, lui? C'est mon frère. Shuki, il faut que tu rentres à la maison, maintenant. Maman t'a pardonné, tu sais. Je n'ai rien à me faire pardonner. On s'était juré qu'on ne serait pas comme les autres. Et qu'on resterait ensemble, pour toujours. Je ne peux pas revenir. Ma place est ici, aux côtés de Dark. On s'en va, Shuki. Il faut que je m'en aille. Tu es en train de faire quelque chose de terrible, Shuki. C'est mal de trahir le clan. Il faut qu'on aille chasser. Il y a un petit détail que je dois... Nous chassons toujours en équipe. Nous attaquons en même temps. Tu t'occuperas du flanc extérieur. Ah, le flanc extérieur. Ma position préférée. Tu peux me rappeler où ça se trouve exactement? Nous rabattrons les gnous vers toi. Tu leur fonceras dessus et tu les tueras. Mais le problème, c'est que je ne chasse pas. Le flanc extérieur, aussi loin que possible, ça ira. Hein? Très bien. Alors... ici, ça fera l'affaire. Où est-ce que tu joues, au juste? Je ne veux pas chasser. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Tu dois oublier tes petites habitudes. Ici, c'est tu ou crève de faim. C'est une joie d'être ta compagne. Tu n'es plus avec ta gentille petite famille. Tu es l'une des nôtres. Tu m'as beaucoup déçu aujourd'hui. Alors, Linus, et Shuki, toujours pas revenu? Elle a dû se faire manger alors qu'il est... La ferme, Fleck. Moi, j'ai toujours trouvé bizarre. Enfin, elle est passée à côté de sa chance avec moi. J'ai un charme absolument irrésistible. Et tout à fait à la hauteur de mes prouesses physiques, d'ailleurs. Il y a des hyènes.
Ignore-les, ils vont s'en aller. Ils se dirigent droit sur nous. Il faut à tout prix les repousser. Oui, enfin, on pourrait aussi faire comme si de rien n'était. Tu ne veux quand même pas qu'elles nous piquent notre nourriture? Amène-toi! Elles sont vraiment imprévisibles, ces hyènes. Puis, de toute façon, moi, je n'ai pas très faim. Alors, à plus tard. Fleck, on a des responsabilités maintenant. Aide-moi. Pourquoi les responsabilités? Elles sont pas très nombreuses, tu peux te débrouiller. Tu n'es qu'un beau parleur et un dégonflé. Tu comique, lui. Que ta sœur s'en aille pour faire de toi un lion. Le pauvre Fleck Wood dans son coin. J'en ai marre. Je n'allais pas rester un lionceau toute ma vie. Je suis fière de toi. Je me sens très seule. Et ma famille me manque. Les autres me détestent. À quoi tu t'attendais? Tu ne chasses pas. À leurs yeux, tu n'es qu'un vulgaire parasite. Tu vois, tu peux te montrer charmant quand tu veux. Je vais faire de vrais efforts pour m'intégrer, c'est promis. Merci. On pourrait passer un moment seul, tous les deux. Si ça te fait plaisir. Je croyais que j'étais exceptionnelle à tes yeux, et maintenant j'en suis plus très sûre. Mais tu l'es. C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel? Toutes mes lionnes sont exceptionnelles à mes yeux. Je te demande pardon. Mais, sans aucun doute, c'est toi qui es la plus exceptionnelle de toutes. Il y a un rhinocéros derrière toi. Oh, je t'en prie. C'est très important pour moi. Quand une fille est avec un garçon, elle doit sentir qu'elle a quelque chose en retour de cette liaison. Mmh. Autrement, elle... Mais est-ce que tu m'écoutes? Oui. Tu vois, on ne se parle jamais. Pardon? J'ai une chose très importante à t'annoncer. Attends, le rhinocéros. Je suis enceinte d'Arc. Dis-moi que ça te fait plaisir. Très plaisir, mais je crois qu'on devrait parler de ça plus tard. Il y avait un rhinocéros derrière moi. Ouais. Dark, ouais. Tu es censé me protéger, je te rappelle. Épargne-moi le désagrément de te voir mettre bas. Va donc te jeter dans le fleuve. Ferme-la un peu, Harry. Oh, ce sera vraiment un soulagement quand mes petits seront nés. Au moins, je n'aurai que l'embarras du choix pour les babysitters. Il y a des volontaires? T'as un peu de poussière sur ton gros nez. Laisse-moi t'aider à l'enlever. Ah. Ça suffit, arrêtez. Si vous recommencez, je demande à Harry de s'occuper de vous. Adorable, non? Je trouve qu'ils ont tes yeux. Tous les lionceaux qui vivent dans le coin ont mes yeux.
Des yeux de braise. Très drôle. Ne vous inquiétez pas, il nous aime. Tout va bien se passer. Nous allons être très heureux. Oh, te voilà, James. Je te cherchais partout. Tu veux que je te dise une chose qui n'est jamais arrivée? Des tas de choses n'arrivent jamais. Les vagabonds ne sont jamais revenus. Ils vont revenir. Je sens leur puanteur fétide. Oh, pardon, j'ai fait un vent. J'ai des gaz, c'est une catastrophe. Eh bien, bravo, toutes mes félicitations. Quatre bouches de plus à nourrir. Laisse-nous tranquille. Venez jouer avec tonton Harry. À moins que vous ne préfériez jouer avec les liens. N'aie pas peur. Petit. Du balai. Ça miaule et ça vomit de vrais parasites. Ça va aller, les enfants. T'as intérêt à veiller sur ces morveux, c'est un conseil. Le problème avec toi, Linus, c'est que tu es trop habitué à vivre dans les jupons de ta mère pour oser quitter le clan. Ferme-la et va tuer une proie. Mais moi, je suis prêt à partir. J'en ai plus qu'assez. Tire-toi, vas-y. Rien de ce que tu diras ne m'empêchera de partir. Je m'en irai quand bon me semblera. Mais personne ne te retient. Oh oui. Je sais, c'est parce que je suis un orphelin, c'est bien ça? Fleck, je te jure que si je t'entends encore une fois prononcer le mot orphelin, je me jette sur toi et je t'arrache les pattes, l'une après l'autre. Et je les mange. Oh, qu'est-ce que j'ai dit encore? Ne faites pas ça! Les enfants! Qu'est-ce que tu as fait à mes enfants? Tu as perdu quelque chose, ma grande? Tu n'es pas très soigneuse. Non. Non, comment as-tu pu? C'était mes petits bébés. Ils étaient innocents. Il n'y a pas assez à manger pour tous. Tu sais ce que Dark fera quand il saura que tu as tué ses enfants? Oh, à ta place, je ne lui dirai rien. À moins que tu ne veuilles que ton dernier bébé ne vienne à disparaître, lui aussi. Oh, Rory, tu es vivant. Oh, mon chéri, mon trésor. Ne t'approche pas de nous. Viens là, viens là. Reste avec moi. Tu n'as pas intérêt à avoir tué mes enfants, Harry. Oh, voyons, Dark. J'ai peut-être des tendances psychotiques, mais je ne suis pas complètement idiot. On devrait les attaquer. Et tout de suite. Pas encore. Pourquoi ça? Ils ont le plus beau territoire. Ils vivent comme des rois alors qu'on vit comme des clochards. C'est pour bientôt, Harry. Le fleuve se tarit. On pourra bientôt traverser à gué. Il faut les prendre par surprise. Et tous les massacrer, les femmes et les enfants aussi. Nous ferons ce qui sera nécessaire. Là, ça va aller. Notre place n'est pas ici, Rory. Mais on s'en sortira parce qu'on est ensemble. On est comme les étoiles, toi et moi. On
tire notre force de notre union. Viens. Reste près de moi, surtout. Et tout se passera bien. Allez, sois courageux. C'est ça, vas-y. Doucement, une patte après l'autre. Je l'ai déjà fait. Et c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air, je t'assure. Voilà, fais un grand pas. Allez, on est presque arrivé sur l'autre rive. Oh, oh. Crash, crash, crash. C'est pas grave. Bravo. Et voilà, Rory. On est arrivé chez nous. Oh, certainement pas. Salut, Fleck. Toujours aussi sympathique à ce que je vois. Salut, Linus. Salut. Alors, ça n'a pas été concluant. Je ne dirais pas ça. On ne te laissera pas revenir parmi nous. Pour quelle raison? C'est la famine. Alors, nous ne voulons que de très bons chasseurs qui peuvent apporter leur contribution. Tu es de son avis, Linus? Oui. Alors, dans ce cas, tout ce que je peux faire, c'est vous avertir que les vagabonds ont prévu de vous attaquer dans peu de temps. Alors, préparez-vous bien. Mais où irez-vous? Ne t'en fais pas pour nous. Nous savons nous défendre. Sois prudente, Suki. Elle est partie. Tu crois qu'elle nous a entendus? Je n'en sais rien. Ça ne changera rien au résultat final. Ce sera aussi facile que de briser la nuque d'une mangouste. Écoutez-moi, vous autres. Ils vont devoir traverser le fleuve. Mais ils pourraient nous prendre à revers. Si jamais ils passent par la brousse, Fleck les repérera. Mais il ne faut surtout pas qu'ils puissent nous attaquer à plusieurs contre un comme la dernière fois. C'est toi qui guetteras leur approche, Eddie. C'est toi qui donnes les ordres? Entendu. Et James guettera leur approche s'ils viennent de l'autre côté. Tu te sens d'attaque, James? J'ai le ventre un peu creux, pour être honnête. Levez-vous et faites un tour si vous sentez que vous êtes sur le point de dormir. Dormir? J'ai banni ce mot de mon vocabulaire. Ah, c'est déjà assez dur de combattre les vagabonds avec le ventre plein, mais le ventre vide. Notre force baisse d'heure en heure. On n'a qu'à manger, Fleck. Très drôle, merci. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, hey, où est-ce que tu vas? Je pars, je quitte le clan. Quoi, maintenant? Tu pars? Oui, tu devrais venir, toi aussi. Non. Tu as trop peur pour venir voir à quoi ressemble le monde? Je ne pensais pas que j'aurais à te le dire un jour, Fleck. Mais on a besoin de toi. Tu ne pourras pas te cacher ici indéfiniment, tu sais. Je partirai quand ça se présentera. Tu es un lâche. Pourquoi partir maintenant, juste au moment où il faut se battre? C'est faux, je ne suis pas un lâche. On risque de se faire exterminer, et tout ce que tu trouves à faire, c'est t'enfuir. Suki avait raison. Tu n'es qu'un égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Oh. Si je ne pense pas à moi, qui le fera à ma place? Ici, c'est dangereux. C'est une très très longue histoire. Les vagabonds nous menacent. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ton départ. J'en étais sûr. Je m'absente 2 ans à peine et je loupe les meilleurs moments. Tu as l'air d'être un lion qui sait très bien se débrouiller seul. On n'a pas toujours envie d'être tout seul. Thank you.
C'était le fleuve autrefois. C'est une vieille connaissance. Ne crains rien, il ne peut plus mordre. Aujourd'hui. Autrefois, je croyais tout savoir. Et je pensais qu'il fallait tout changer. Maintenant, je sais que le plus important, c'est d'apporter sa contribution, de faire partie de l'équipe. Nous, les lions, sommes doués pour ça. Ne bouge surtout pas d'ici. Il est grand temps que j'apporte ma participation. J'aurais au moins appris ça au contact des vagabonds. Plaisir à tuer. Il faut le faire, c'est tout. C'est à ça que servent ces crocs. Bien, ce n'est pas pour nous. J'ai une livraison à faire. Allez, allez, grimpe dessus. Tu y es? Cramponne-toi. Allez. C'est parti. Ça devrait leur donner des forces. Bonjour, James. Rien à signaler? Non. RAS. Tout est calme de ce côté. Mais alors, c'est quoi, ça? Hein? Justement, maintenant qu'on en parle... Qu'il faut faire la longueur ou un truc autre? Au moins, quand j'ai faim... Oh, ils sont bonnes, les gouttelettes, là. Mais ça rigole. Je crois que je sais qui nous a apporté ça. Je l'espère, Linus. Je l'espère de tout mon cœur. Désolé, Rory. Il n'y a pas que le fleuve qui s'est taré. Il se passe quelque chose là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Les voilà. Viens vite, Linus! Ça y est, ils sont là! Tu es prêt, James? Ouais, là, tout de suite. Allez, Eddie! On va pas se battre sur les rochers, on pourrait tomber et se faire mal! Souvenez-vous du plan! Restez en retrait jusqu'au moment voulu. Et maintenant, bonne chance à tous. Bonne chance à tous, mais écoutez, je suis là. N'allez pas rajeunir. Tu vas regretter ces mots. Oh, j'attends ce moment-là depuis des années. Fleck, tu es revenu nous aider.
Linus, j'ai rejoint le clan des vagabonds. J'en avais assez d'être traité comme un membre de second ordre, le parent pauvre de la famille. Ils ont tué ta mère, je te signale. Au moins, ils ont un avenir. Alors que vous n'en avez jamais eu, vous passez votre temps à dire que dans la vie, l'important c'est le clan. Eh bien c'est faux, l'important c'est de survivre, c'est d'être le plus fort, d'être le plus méchant et le plus cruel. Bon, j'arrive pile à l'heure pour le meilleur moment. Qui es-tu? Lush, ta sœur m'a dit qu'il vous fallait un coup de main. Suki, maman. Oh, quelles émouvantes trouvailles. Suki, éloigne-toi sur le champ. Ne fais pas ça, Dark. Regardez ce que j'ai trouvé. Un hors-d'œuvre. Non, mon bébé. Lâche-le tout de suite. Oh non. Lâche-le, espèce d'assassin. Lâche mon fils. Lâche mon fils, Hai. Tu as donc bel et bien tué mes enfants. Viens te battre. Laisse-le, Suki. Il est à moi. Oh, avec plaisir, morveux. Viens te battre. Attention, tu es mort! Linus! Oh, je suis désolé, tu as fait un faux pas. Je voudrais t'entendre implorer ma pitié. Et de mourir! Laisse mon frère tranquille! C'est bon, Suki! Laisse-le moi! Viens m'aider, vite! Je suis désolé, il ne fallait pas tuer mes enfants. Sauve-moi! Assassin! Ça suffit, on retourne vers le fleuve. Suis-moi, Fleck. Oh, mais il n'y a plus que moi. Alors qui veut se battre contre moi? Non, il est hors de question d'aller sacrifier d'autres vies. Même la tienne, Fleck. Je reviendrai, ce n'est que partie remise. Je reviendrai avec une bande de lions féroces et bien entraînés. Oui, c'est ça. Va voir ailleurs si j'y suis. Oui, je m'en vais. Mais je reviendrai. Tu ne perds rien pour attendre. Bien joué, Linus. Vous avez bien dit, quelqu'un allait tomber. Linus, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je suis fière de toi. Tu me l'as déjà dit, mais je ne croyais pas que tu le pensais. Eh bien... je le pense aujourd'hui. Je ne sais pas par où commencer, maman. Oh, oh, Suki, Suki. Je suis désolée. C'était mes hormones. Plus tard. Commence déjà par me présenter mon premier petit-fils. Merci beaucoup, Lush. Je suppose que tu connais ma sœur, Suki? Oui. On s'est rencontrés. Habituellement, je suis plus en beauté. Ça me paraît difficile à croire. Tu es vraiment devenu le grand frère, hein, Linus? Oh, arrête. Je vais m'en aller, Suki. Tu veux partir? Mais c'est totalement démodé. On ne risque plus rien. Tu as Lush, et j'ai envie de partir à la découverte du monde. Tu te rappelles ce qu'on disait? Qu'on resterait toujours côte à côte, quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie. Eh bien, en cas de besoin, tu n'as qu'à ouvrir la bouche et rugir. Tout est revenu à la normale. On va finir par se ramollir.
On devrait partir à l'aventure entre héros. Et je suis d'accord, allons vers de nouveaux horizons. Relevons de nouveaux défis. Ah oui, je le sens bien. Là. Mais c'est ça le problème, on est des athlètes, on déborde d'énergie. Voilà, c'est reparti. Allez, prends un air féroce. Ah non, là, je te prie de m'excuser. J'élève une protestation, c'est à ton tour d'avoir un air féroce. Oh, mais non, c'est ton tour. Mais c'est moi qui m'y suis déjà collé la dernière fois. Je suis absolument certain que c'est ton tour. Oh non, mais ça va pas la tête, les griffes. Mais vous me griffez, Laurent. Les enfants, venez là. Allez, allez, venez. Oui, toi aussi, Rory. Suki, tu viens avec nous? Allez, en route. D'accord, c'est toi qui commandes. Bien que ce ne soit pas tout à fait exact. Thank you.